Élevons-nous. Toutes les mains. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Totangi na kombo na kolo Jésus Christ. Ça n'a pas vibré ici. Awa ilinganite. Ah. Un musicien. Faut-il que je prie pour chasser un esprit ici de froideur ou quoi moi? Bon, je vais prier. Seigneur Jésus. Il y a un envoûtement qui vient de ce côté, qui rend les gens qui habitent ici froid. Je les détruis par le feu. Je maudis cet esprit. D'où qu'il vient, je le renvoie dans les lieux arides. Que toute l'église soit enflammée. Fais le Seigneur. Prends le contrôle de l'église. Couvre cette église. Protège la. Et qu'elle soit dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons dans les précieux noms du Seigneur Jésus Christ. Pierre leur dit, Petelo alobi, repentez-vous. Boyambola. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ. À cause du pardon de vos péchés. Et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre. Que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez vous asseoir. Vous savez, hier, l'onction était tellement grande. Je ne savais même pas. Oh, que Dieu bénisse nos diacres. Acclamez pour eux. L'honorable Bruno avait déjà vu que je n'étais plus moi. Faut avoir des gens spirituels comme ça. Alors il a envoyé le diacre pour venir me faire partie de la chair. Je ne voulais pas. Je ne savais pas. Et puis lui-même est monté avec quelques diacres qui m'ont pris. Ils m'ont déposé au bureau. Ce n'est que quand j'étais au bureau, je me suis rendu compte que j'étais dans une autre onction. C'est comme quelqu'un qui était tombé en pamoison. Évanoui. Je ne savais pas. Ils m'ont laissé et puis je suis resté pendant une quinzaine ou vingtaine de minutes. Et puis mon esprit est revenu. J'ai dit, ah, merci beaucoup. Je ne savais pas. Donc je pouvais commencer à prier pour les gens. Puis je n'imaginais pas que j'avais une telle onction. Mais eux avaient déjà vu ça. Que Dieu les bénisse richement. Si vous acclamez pour le Seigneur, acclamez très fort, très fort. Ne vous sentez jamais gêné. S'il faut siffler. S'il faut siffler.
S'il faut crier, criez. Soki ko ganga, ganga. Soyez à l'aise. Zala à l'aise. Ne vous sentez pas étranger dans cette église. C'est l'église du Dieu vivant. Nous tous ici, c'est Dieu qui nous a appelés. Il n'y a pas quelqu'un qui est le possesseur de cette église. C'est le Saint-Esprit. Soyez à l'aise. Si vous avez choisi cette église, soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Et parce que je fais ça, on va me dire. Bien, tant que c'est en ordre avec l'écriture. Il n'y a pas de problème. Je vous salue tous. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. L'onction est déjà là. Mais il faut que je dise quand même quelque chose. Vous savez, le pasteur Panzu de l'Afrique du Sud, quand il est venu prêcher, ce qu'il avait vu à quelques-uns. Il a dit, votre pasteur supporte l'onction qui est ici. Oui, c'est un prédicateur ici. L'onction qui est ici. Non, maintenant là. Si je t'appelle, tu vas tomber. Mais je supporte ça. Bon, parce qu'il faut que je prêche quand même. Parce que je ne peux pas venir comme ça. Dès que je monte à la chaise, alléluia. Et puis, vous me ramenez là-bas. Non, tu es un Dieu d'ordre. Frère Branham, même l'onction quand ça descendait, son corps était habitué avec ça. Ce n'est qu'à la fin. Il tombait évanoui comme hier. Quelle onction qui est ici? Je fais ma prière. Quelle onction est ici? Reste sur moi. Jusqu'à ce que je serai à la maison. Et que cela vous soit transmis. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus. Kembona Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Yambamboli Mosantu. 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 Gloire à Jésus. Non, mais ça va. J'ai peur. Que je viens, que tu sois là. Aujourd'hui, Léloyo, je vous salue encore dans les précieux noms de Seigneur Jésus Christ. Je vais parler de pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Hier, c'était qu'est-ce que le Saint-Esprit? Peut-être que je vais récapituler le troisième jour. Permettez-moi d'aller un peu plus vite. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? En d'autres termes, à quoi sert le Saint-Esprit? Vous voulez savoir, Église? Vous voulez savoir à quoi sert le Saint-Esprit? Je commencerai par dire ceci. L'homme avait péché. Alors que l'homme était l'ami de Dieu. Est-ce que j'ai dit la vérité? Chaque soir, Dieu descendait dans les jardins d'Éden. Et il communiait avec l'homme. C'était une réunion agréable. Il y avait la vie éternelle. Il n'y avait pas de mort. Pas de maladie. Pas même vraiment de regrets.
Pas de chagrin. Il n'y avait que la joie. Chaque soir, Dieu descendait dans cette réunion-là. Et Adam pouvait communier avec Dieu. Elle pouvait communier avec Dieu. Quelle merveilleuse communion. Quelle onction. Dieu lui-même était là. Conduisant les cultes lui-même. Et puis tout d'un coup, la chaîne était brisée. Ah, boyokani wane katanaki. La commune était brisée. Boyokani to bomoko e katanaki. Par le péché. Nzela lisumu. Et vous connaissez l'histoire. Boyebi lisolo malam. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Yokazalaki nyama mayele mabeko le kabanya manyoso. Il est entré dans les côtés faibles. Akoti na ngambo ya bolembu. Il a amené les raisonnements. Amemi mabanzo. Il a amené une autre lumière. Amemi pole mosusu. Alors que Dieu a donné à ses enfants. Donc Nzambe apesaki na bana na ye. La parole. Liloba. Pour être cru. Po te bandi mayango. Non pour raisonner avec. Kasi po mabanza na yango te. Et la même chose se passe aujourd'hui. Elo komoko anezo sale male. Si vous raisonnez avec la parole, cela, cela vous amène la mort. Et Dieu les a chassés dans les jardins d'Éden. Il en a placé les chérubins pour qu'ils ne retournent pas manger à l'arbre de vie. Et vous savez que l'arbre de vie, c'était Jésus-Christ. Et Dieu aima son peuple. Zambe, alinga kilibota na ye. Dieu les a laissés pendant longtemps. Zambe atika kibango tango molayi. Le peuple commençait à errer. Libota bakoma ki koyenga yenga. Comme un peuple, comme un troupeau sans brebis. Loko na ba baba bibuele o bazangi mokambi. Alors Dieu a pensé qu'il pouvait. Il voulait réconcilier l'homme avec lui. Les sangs des animaux ne pouvaient rien faire. Tous les prophètes qu'il a envoyés ne pouvaient rien faire. Parce qu'ils sont nés des hommes. Toute personne qui est née d'une femme est née dans l'iniquité. Il fallait que ce soit quelqu'un. Un parent rédempteur qui était digne. Notre Goël. Goël Nabiso. Notre Boaz. Boaz Nabiso. Qui n'a jamais péché. Il était digne. Yende abongaki. Il n'est pas né. Abotamate. De la raison d'un homme à une femme. Nabosangi sinzoto ya mwasi na mobali. Il est né. Par la puissance du Saint-Esprit. Et quand il est sorti, il est allé à la croix. Et à la croix, son sang, quand ça a coulé, son sang nous a racheté. Son sang qui était tombé a purifié la terre, a purifié les croyants. Cela nous a racheté à un grand prix. Non pas le sang des animaux, mais le sang de Dieu lui-même. Ce n'est pas une expiation temporaire. Une expiation éternelle. Et lui-même avait dit, j'ai payé au double. Et les péchés que vous avez faits. Et ce que vous ferez. J'ai payé au double. Et il a fait la prière. Père, je n'ai perdu aucun de tous ceux que tu m'as donné. J'ai pris pour ceux qui sont ici. J'ai pris pour tous ceux qui croient. Cette prière-là s'est adressée aussi à vous. Pour que tu viennes dans ce message. Pour que tu crois en Jésus. C'est la prière que Jésus avait faite. Jésus a prié pour toi. On t'a marqué. Quand on t'a prêché. Tu as écouté sa voix. Et tu es venu vers lui. Un jour sur les chemins, j'ai marché.
Un jour sur le chemin, j'ai marché, mais j'entendais sa voix qui me dit, oh pécheur, répands-toi, sinon tu mourras, oh quelle crainte dans mon cœur. Quand je l'ai écouté, oh Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera quand je l'ai verrai. Oh. Alléluia! Amen! Oh, quand il a versé son sang, il a dit, je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Je ne m'en vais pas chez le Père. Je m'en vais au Père. Je retourne à la forme de la colonne de feu. Il était Dieu au-dessus de nous. Quand il est venu, comme Emmanuel, quand il a vécu sur la terre, il était Dieu avec nous. Maintenant il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je m'en vais vous préparer une place, car dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures, pour que je, là où je suis, vous y serez aussi. Mais ne vous en faites pas. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Je te dis la vérité, Jésus est en toi aujourd'hui. Jésus est avec nous aujourd'hui. Nous le verrons. Parce que quand il est monté, il a envoyé son esprit. Et son esprit est en son épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse est la voix finale à l'époque finale qui manifeste le Seigneur Jésus. Si on veut voir Jésus, c'est à travers son épouse. Il est monté son corps est sous le trône, mais son esprit a été renvoyé sur la terre. Voilà pourquoi le prophète dit, le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Ce n'est pas Jésus physique, c'est l'esprit de Christ dans son église. C'est le ministère de Christ dans son église. C'est le fils de l'homme. C'est le Saint-Esprit. Continuons les œuvres que Jésus a fait. Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous les ferez comment? Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vous a été donné pour continuer les œuvres de Jésus. Continuez à prêcher. Continuez à prophétiser. Continuez la guérison. Si les gens veulent voir Jésus, ils les verront à travers vous. Frère Branham dit que le Saint-Esprit dans l'église, c'est la continuation des actes du Saint-Esprit. C'est l'écrire. C'est écrire les livres des actes des apôtres. Aujourd'hui, on peut écrire les livres des actes des apôtres. C'est pourquoi Proverbe a dit, ce ne sont pas les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Aujourd'hui, le même Saint-Esprit est en train d'agir
Quelqu'un peut dire amen à ça. Voilà la raison. Talatina. Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé pour continuer l'œuvre de Dieu. Pour continuer. Pour être le dispensateur de la puissance de Dieu. Pour que quand tu l'as, tu peux dire, reçois le Saint-Esprit. Et la personne reçoit le Saint-Esprit. Quand tu l'as, tu peux dire au nom de Jésus, sirène, sors, va dans l'eau. Et la sirène obéit. Le Saint-Esprit. Il y avait un frère ici. Je ne sais pas s'il s'appelle Joël. Il m'avait appelé hier. Il m'a dit, papa, j'ai perdu ma clé de contact. Je ne sais pas. Il était en train de pleurer. Je ne sais pas s'il est venu. Oh, il n'est pas venu. Il ne sait pas s'il est avec nous, je ne sais pas. Alors, j'ai dit, tu es où? Il dit, mais la clé est perdue, je ne sais pas. Je suis allé demander à mes amis au parking et tout ça. Je n'ai pas trouvé la clé. À la maison, non. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je veux. Il m'a dit, comme nous sommes dans la semaine du Saint-Esprit, je veux que le Saint-Esprit me remette ma clé. Je lui ai dit, ça y est. Je dis, cher Saint-Esprit, va prendre cette clé et dépose-la dans un endroit où il va voir. Quand il est rentré à la maison, il a trouvé la clé sous le tapis. Gloire à Jésus. Jésus. Et quand il a donné ce témoignage, vous savez quoi? Il m'a appelé immédiatement. Il m'a appelé immédiatement. Bon, je n'ai pas pris son appel. Je savais que c'était un témoignage. Il a insisté aujourd'hui à prier. Aujourd'hui, j'ai pris son téléphone. Il a dit, papa, nous avons un dire. Nous sommes la vérité. À la maison, on a dit, mais comment la clé s'est retrouvée ici? Il dit, moi, je pense que j'ai jeté cette clé dans la poubelle. Parce que j'ai mis quelqu'un comme le reste était sur la table. Dans les sachets, là, on a mis dans la poubelle, on a pas dit. Et en tout cas, je ne pouvais pas retrouver ça. Il pleurait. Alors, mais il a dit que notre pasteur a prié. Il a dit que l'ange aille prendre la clé et déposer là-bas. Oh, votre Dieu est merveilleux. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Branham dit que je pense que chaque croyant, chaque prédicateur devait désirer le Saint-Esprit. Je pense que chaque croyant devait désirer le Saint-Esprit. Est-ce que moi je désire le Saint-Esprit? Vous désirez le Saint-Esprit? Rien que ce désir, il va nous donner le Saint-Esprit. Pierre avait prêché sur Corneille. Quand est-ce que les gens là ont eu le temps d'aller réparer à gauche à droite? Ils écoutaient ces mots. Ils écoutaient. Ils ont dit oui. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. En tout cas, nous abandonnons les péchés. Nous ouvrons nos cœurs. Et en écoutant seulement, ils ont reçu le Saint-Esprit. Dites encore amen. Page 28, paragraphe 137. Loka Satugumi Bale, Namwambe, Etenia Sango, Kamamoko, Natubu Sambo.
Vous aimez le prophète? La statue d'un homme parfait. Paragraphe 135. Écoutez, frère Branham. Un peuple spirituel. Au cours de l'âge. Consulte qui? Atuna kanani. Consulte, dites le prophète. Consulte qui? Ah, bonjour, prophète Sonia. Un peuple spirituel. Au cours de l'âge. Nakatineleko. Consultez qui? Atuna kanani. Les prophètes. Mosakoli. Nous ne construisons pas une organisation. Tozali kotonga ebongiselite. Je. Gai. Moi qui? Gainan. Branham. Branham. Je ne suis pas ici. Nazali awate. Ce matin. Natongo ya lelo. Parce qu'il a prêché le matin. Boate ya ki natongo. Je peux dire ce soir. Pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé. Christ a dit qu'à la côté pour construire une organisation. Mais Christ a envoyé pourquoi? Ah, tinda qui opo nanini kasi. Tu as construit Branham Tabernacle, non? Otonga Branham Tabernacle. Dis-nous, tu Christ a envoyé pourquoi? Yebisa biso atinda la qui yonini. Christ m'a envoyé Christ pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, si tu es le Saint-Esprit, tu dois pousser encore pour devenir comme un petit pied. Quand les gens te regardent, ça c'est quel genre d'homme? Même si on l'injurie, lui n'injurie pas. Lui ne critique pas. Mais si tu amènes des commérages, il te repousse. Il ne fait que aimer. Il n'est pas déjà. Quand il a quelque chose, il ne fait que partager. Prière de prière. Il ne fait que prier. Les Camerounais. Tout ce qu'il fait. Message est l'obénin. Alors, qu'est-ce que dit le message? Prophète est l'obénin. Que dit le prophète? Bible est l'obénin. Que dit la Bible? Oh, mutablo lengeni. C'est quel genre d'homme? Ah! C'est parce que le Saint-Esprit est entré en lui. Pas mon livre, ça te côté katinaye. Quand tu vois quelqu'un, Sokyo moni moto. Toujours. Ma solo ya ma paix. Le monde dans son cœur. La colère comme une dent de scie. Kanda. Tu regardes, as une décision fausse, c'est ma situation pour quoi? Ça y est, tika. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Christ m'a envoyé. Christ a dit n'engagez pour construire des individus. On a tonga bato. Et les amener. Comme ma bango. À la statue de Jésus-Christ. Nous sommes dans la Jésus Christ. Afin qu'il soit. Natin était basala. Les lieux. Bisika d'habitation ya efandelo de son esprit ya molimo naye. Pourquoi le Saint-Esprit est-il été donné? Ponanini molimo sante pesamaki. Pour que chacun de nous pote moko na moko na biso soit le lieu d'habitation de Dieu. Akoma efandelo ya nzambe. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que tu sois un lieu d'habitation de Dieu. Non seulement le lieu d'habitation de son esprit, et le distributeur de sa puissance. Restez veillé. Oh yamba, recevez la parole. Yamba liloba, recevez la paix. Yamba kimia, recevez la guérison. Yamba lobi ko, recevez le Saint-Esprit. Yamba boli bo santo. Tu dois être distributeur. Le Seigneur comme mokaboli de sa puissance. Yanguya naye. Par sa parole. Nanzela liloba naye. Voyez-vous? Omoni. Édifier l'individu. Kolendi sa moto. Et l'amener à cette position. Quelle est cette position? C'est la position de savoir qu'il est l'enfant de Dieu. Parce que je vous ai lu ici. Le prophète dit dans le COD. Le Saint-Esprit a été envoyé pour vous révéler votre position.
Tu veux connaître ta position? Tu veux savoir qui es-tu? Et le Saint-Esprit, il va te conduire juste là. Là où tu es. Parce que Frère Branham dit que il y a trois étapes de la grâce. Il y a la justification, la sanctification. La justification, c'est comme ramasser un verre dans la poubelle. La sanctification, c'est comme nettoyer ses vins. Et vous la déposez dans votre armoire. Pour faire quoi? Pour l'utiliser. Et la, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme mettre de l'eau dans ses vins pour l'utiliser. Donc quand le Saint-Esprit vient, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour placer chacun à sa place. Le Saint-Esprit, quand ça vient, ça vous met en service. Le don qui est en toi va se manifester. Le ministère qui est en toi va se manifester. Quand le Saint-Esprit vient, chacun doit reconnaître sa place. Tu verras quelqu'un qui était timide là, commence à chanter pour Dieu. Ah, c'est sa place. Il commence à voir des visions. Ah, c'est un vase. Ah, wanandembeki. Commence à prêcher aux gens. Ah, c'est un prédicateur. Ah, zali motei. Le Saint-Esprit. Moli mosatu. Frère Branham dit que quand le Saint-Esprit vient, ça met de l'ordre dans l'église. Et chacun sera à sa place. Personne ne va bousculer l'autre. Dans l'église du Dieu vivant, où est le Saint-Esprit, chacun à sa place. Le batteur de tam-tam à sa place. Le musicien à sa place. Le vase à sa place. Le diacre à sa place. Le pasteur à sa place. Les entrées à sa place. Chacun reconnaît sa place. Chacun sait que moi dans le corps, ma place, hein, c'est pour acclamer. C'est pour dire amen. Ma place, hein, c'est pour soutenir avec mon argent. Ma place, hein, c'est pour chanter. Ma place, hein, c'est pour aider les pasteurs. Quand j'ai une vision, tu pries pour lui. Quand j'ai une vision, ça va l'aider. C'est lui qui dira ma place. Hein. C'est ma prière pour mon église. Je n'ai pas de dons, mais je prie seulement pour mon église. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour mettre chacun en service. Quand le Saint-Esprit vient, chacun a un rôle dans l'église. Le Saint-Esprit ne descend pas et te laisser comme ça. Tu es là sans bouger. Tu ne sais pas ce que tu es. Même si tu n'as pas de dons, même si tu ne prêches pas, tu sauras que moi, avec les acclamations là, avec les alléluia là, c'est ça ma place. Quand j'écris là-bas, mon pasteur est dans la joie. Quand je donne les milolo là, l'église est dans l'ébullition. Le jour où tu n'es pas là, où est notre soeur là? Qui siffle souvent là-bas? Qui donne les milolo là-bas? Chacun à sa place. Frère Branham dit que restez à ta place. Accomplissez-moi ton devoir. Ne quitte pas ta place. Quand tu quittes ta place, tu deviendras un bon à rien. Nous sommes comme la montre. L'église est comme la montre. Et nous sommes comme des aiguilles. Tous les aiguilles travaillent en harmonie pour donner l'heure exacte.
chacun de les corps est très important. Ce n'est pas quelqu'un qui soit grand. Ce n'est pas quelqu'un qui soit petit. Tout le monde est important. Les plus grands d'entre nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un que nous devons imiter, c'est Christ. S'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose en quoi nous devons nous identifier, nous devons nous identifier à la parole de Dieu. Quand tu avances, pose-toi la question: où est-ce que je suis par rapport au message du temps de la fin? Gloire soit rendue à Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Je continue cette situation. Il dit, c'est pour construire des individus et pour en faire des fils et filles de Dieu. Le fils de Dieu. Des filles de Dieu. C'est-à-dire, vous prenez la place de Christ. Christ. Vous prenez la place du Fils. C'est-à-dire, si les gens veulent voir Jésus, c'est à travers vous. Ils veulent voir un miracle, c'est à travers vous. Vous prenez la place du Fils. Le Fils était rempli d'amour. Si les gens veulent voir l'amour, c'est vous. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? A-t-il été donné? Frère Branham dit que le Saint-Esprit est très capital. Et sachez que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes converti. C'est pourquoi il a dit à Pierre: Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia! Et pourtant, Pierre avait déjà cru à Jésus. Mais quand tu seras converti, il dit: Pierre, tu vas me réunir. Et pourtant, Pierre chassait déjà les démons. Jésus savait qu'il n'y avait rien là-dedans. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te dire de réunir la parole. Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il était peureux. Mais le jour de la Pentecôte, lui qui n'avait pas étudié, il dit: mon frère, je vous dis aujourd'hui, c'est Jésus là que vous avez crucifié, c'est lui le Seigneur. Il n'avait pas peur. Le Saint-Esprit, quand ça vient sur vous, vous n'aurez pas peur du diable. Parce que c'est une puissance qui vous investit. Ce n'est plus vous qui parlez, c'est Christ qui parle. Frère Branham a dit que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes converti. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sauvé. C'est le Saint-Esprit qui vous fera dire: je suis sauvé. C'est pourquoi il a dit. On l'a dit, Frère Branham, nous sommes sauvés. C'est que nous pouvons faire n'importe quoi. Frère Branham, oui, oui. Mais si vous êtes sauvés, votre pensée, vos actions seront conduites par le Saint-Esprit. Et alors, le Saint-Esprit ne vous conduit pas dans un bar, pas dans les mensonges. Le Saint-Esprit vous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Si tu vois quelqu'un, il fait ça. Il tape. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. À l'intérieur, il n'y a rien. Quel est
Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il regrette chaque acte faux qu'il a commis. Il ne dormira pas. Parce que le Saint-Esprit te convaincra du péché. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas se battre avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Frère me dit que il y a deux personnes qui se battent, même si ils sont prédicateurs, même si ils sont musiciens, ils sont vases, même s'ils font éclater les miracles. S'ils se battent, l'un a le Saint-Esprit, l'autre n'en a pas. Le Saint-Esprit ne se bat pas contre le Saint-Esprit. Si ta soeur a le Saint-Esprit, toi le Saint-Esprit, il y aura un contact. Il y aura une attraction. La profondeur appelle la profondeur. Quand il parlera, vous sentirez la chair. Je dis en tout cas, mais c'est comme si on s'était déjà connu. Et pourtant, tu l'as rencontré au Sankuru. Toi tu viens du Bas-Congo. Mais quand il parle, tu dis c'est mon frère, c'est ma soeur. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit nous amène dans l'unité. Le Saint-Esprit nous mène ensemble. Là où le Saint-Esprit, il y a la communion parmi les gens. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de tiraillement. Le Saint-Esprit apporte la paix dans le cœur. Le Saint-Esprit prend la situation sous contrôle. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quelqu'un peut dire encore amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Brené dit pourquoi? Parce que le Saint-Esprit change votre nature. Ça vous change. Ça vous transforme. Ça vous change. Vous êtes un homme restauré. Vous devenez Abraham restauré. Vous devenez Clément restauré. Vous devenez Chantal restauré. Le vieil homme est mort. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature. Ce n'est plus vous qui vivez. Mais il y a un être qui vit en toi. Qui guide ta vie. Qui te conduit. Qui te dit d'arrêter. Qui te dit d'avancer. Qui te dit de pardonner. Qui te dit d'aimer. Ah, tu n'as plus le contrôle de toi-même. C'est pourquoi il est église. L'église ne peut pas prospérer, ne peut pas avancer spirituellement, même en nombre, même en onction, si le Saint-Esprit ne descend pas. C'est pourquoi vous voyez les églises là, des Branhamistes là, 20 ans, 20 personnes, petit troupeau, petit troupeau. Pierre en avait ce jour-là combien? 3000 en une seule prédication. La qualité à mon corps. Oh. Et aujourd'hui, nous avons plus que ce que Pierre avait. Nous sommes au sommet de la pyramide. Nous avons le parfait. Nous avons l'onction de l'aigle. À l'époque de Pierre, ils étaient avec le Paul. C'était le lion. Il était sur la terre. Et après, les autres là, ils avaient l'onction de l'homme. L'homme était sur la terre. Et puis finalement, il y avait les gens qui avaient l'onction de les lions, les bœufs, l'homme sur la terre. Mais quand il envoie l'aigle, quand il envoie l'aigle,
C'est la parole comme au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu le message du temps. Vous avez le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a qu'un seul endroit où il y a la puissance. C'est dans ce message du temps de la fin. Oui. Oui. Qui peut amener les gens au stade? Allons au stade. Vous allez voir, les gens vont déposer les béquilles. Ce n'est que les gens qui ont les messages. Ils nous ont trompés ici à Kinshasa. Mais aujourd'hui, qui les a au stade? Mais Beka. Qui est l'un de nous? Notre numéro 10. Numéro 10 c'est lui. Yeah. Notre Pelé. Pelé il a dit venez au stade. Allez, vous allez voir. Oh, rien qu'en prêchant. Kaka na kote, ya. Le Saint-Esprit a guéri les malades. Bon, libo, stato, biki, si, ma ben. Ce Dieu là wana. Est en vous ce soir. Atali, kati, na, bino, po, kwa, pendant que je parle. Recevez la guérison. Yamba, no, recevez la délivrance. Yamba, bo, kanka, que la chaîne tombe. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Que la puissance d'en haut descende ce soir. Gloire soit rendue à Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pourquoi le Saint-Esprit? Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous et moi. Dieu n'a pas de force. S'il n'utilise pas votre corps. Soyez prêts. Bon gamin. La nature attend. Et qu'elle a moins causé là. Avec un ardent désir. N'a pas sa ma casse. La manifestation. Kotali sama. Des enfants de Dieu. Yabana nanzambe. C'est vous. Ezabino. Qui allez manifester Dieu. Mais bon, kotali sanzambe. Dieu compte sur vous. Zambe azotchelo motema. Allez ouvrir votre cœur. Fongola motema sikawa. Ouvrez votre cœur. Fongola motema na yo. Commencez à croire. Banda kondima. Pendant que je parle. Wana naza koloba. Allez recevez le Saint-Esprit. Yabba boni mosatu. 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 Recevez le Saint-Esprit. 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 Chaque soir. Voilà. Chaque soir. Pourquoi nous sommes? Il y en a qui seront scellés ici. Et Zalina Baeba Kozwandanga. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour continuer le plan de Dieu. Jean 14, 12. Pour continuer le plan de Dieu. Pour que nous soyons les dispensateurs de la puissance de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Parce que Dieu voulait habiter dans l'homme. Parce que Dieu voulait devenir un homme. Le plus grand miracle, c'est que Dieu est devenu un homme. Et l'homme est devenu Dieu. Dieu voulait à tout prix devenir un homme. Pour que l'homme devienne Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour amener les gens à la perfection. Paragraphe 50, page 50, je voulais dire.
Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Page 50. Lucas, pour amener les gens à la perfection. Écoutez. Yoka. Page 50. Lucas, vous aimez le Saint-Esprit? Oligaka, il traite avec l'Église en tant qu'individu. Chaque individu dans l'Église. Tu traites avec chacun de vous. Est-ce que c'est la vérité? Quand un homme fait ses preuves. Et Dieu l'aime. Il a même quelque part pour être avec lui. Il a devant les anges. Il fait quelque chose pour lui. Il l'élève là-haut dans sa présence. Il lui accorde le temps. Il le remplit. Et il l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Il voulait dire ceci. Nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Il y avait trois dispensations. Dispensation du Père. Dispensation du Fils. Aujourd'hui, nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez cet engouement dans la prière. Même les faux sont en train de prier. Parce que Dieu a déversé tous les Saint-Esprit sur la terre. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Et ils peuvent en profiter. Mais ils peuvent en profiter. Mais il envoie ce Saint-Esprit pour ses fils et filles. Nous sommes au sommet de la pyramide. Et la pyramide est coiffée par l'amour divin. C'est la pierre de fête. C'est les cailloux blancs. Quand le Saint-Esprit entre en vous, vous avez la paix. Vous avez le repos. Terminez avec les injures. Terminez avec les critiques. Terminez avec les mensonges. Votre cœur est en repos. Vos oreilles sont en repos. Vos yeux sont en repos. Votre bouche est en repos. Vous ferez ceci. Vous ferez ceci. Vous ferez ceci. À tout ce qui n'est pas la parole, vous ferez ceci. Vous ferez ceci. Vous ferez là-bas. Parce que vous avez reçu un caillou blanc dans votre cœur. Le Saint-Esprit, la vie de Dieu, Dieu lui-même, habitant dans un homme. Votre corps ne sera qu'une carcasse. C'est Dieu qui vous conduit. Vous avez rêvé quelque part. Vous voulez faire quelque chose de mal. Il enlève votre âme. On vous appelle quelque part pour vous induire dans l'erreur ou dans le mal. Le Saint-Esprit te dira, n'y va pas. Même si tu veux aller, il viendra te donner une faiblesse. Tu vas dormir. Olali. Tu te réveilles. On t'attendait à 12h. Oh, je ne sais pas. Il est 14, il est 15. Mais Dieu ne voulait pas que tu arrives. Le Saint-Esprit, quand ça vient, ça prend le contrôle de toute ta vie. Dieu n'aimerait pas que tu fasses un faux pas. Non. Lui-même va empêcher. Il veut te guider. Même devant des dangers. Même devant un lion. Dieu viendra se déposer. Oui, monsieur. Et un taureau voulait heurter Frère Branham. Il était sur un terrain. Un taureau déjà foutu. Et il voulait tuer Frère Branham. Frère Branham est arrivé. Il a dit, le taureau. Calme-toi.
Je suis un fils de Dieu. J'ai fait le travail du Père qui est ton créateur. Je ne voulais pas te. Non, je suis en train de passer. Retire-toi. Moi, je passe. Hein. Je vais prier pour la personne. Et les taureaux se retirent. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux parler à la nature. La nature t'obéira. Oui, monsieur. Tu parleras aux démons. Les démons t'écouteront. Est-ce que je dis la vérité? Un jour j'étais à l'Équateur. J'étais à Akula. Oui, Akula, c'était un port. Ils allaient port. Et alors, moi et mon épouse, on allait nettoyer les habits au fleuve. Alors que les villageois vont dans les Mbanga, les petites rivières. Alors j'ai raconté au pasteur David à l'époque. J'ai dit, pasteur, dans votre fleuve ici, il y a une portion du fleuve qui est entrée par Akula. Alors il dit, il y a beaucoup de poissons. Il dit, frère, tu es allé là-bas? J'ai dit, oui, pasteur. N'ose plus. N'ose plus. Mais mamie, tu venais de tuer une fillette là-bas. La fillette est tombée là. On l'a retrouvée après deux jours. Avec les sangs de la narine. Tu ne vois pas que nous allons dans les mbangas. Les ruisseaux. Les petites rivières. Ah, têtu que j'étais. Nazaki moto makasi. Je ne suis pas rentré là-bas. Tozongi kaka kuna na ibali. Alors j'ai commencé à chanter. Nabani koyema. La victoire est dans le sang. Alléluia. Le poisson là que j'appelais poisson. Oh yonga nazaki kobenga mbisi. Comment ça fait? Nabani ko dingisa mai. Il a troublé l'endroit ici. A tche penta mobulu na isika wana nyoso. Il dit à mon épouse, eh, tobi manabiso. Na labeli, mama labia, eh, tobi manamai. Écoutez, avec les ailes que j'avais. Yo kanampi kona zagi nan. Au nom de Jésus. Na kobra. Je te chasse. Na pekani yo. Au nom de Jésus. Na kobra. Je te chasse. Na pekani yo. Yawapi. Bou. Et nous sommes rentrés, je n'ai pas dit au pasteur David. Tozongi na butu na bewana na betela ki pasteur David li solote. Je vu. Na lali na moni. Un monstre sorti de l'eau. J'ai vu que j'avais un revolver. Quand le prophète dit que la prière était un revolver, c'est la vérité. J'avais vu que j'avais un revolver. Et j'ai tiré. Et le monstre s'est battu. Il est sorti. Il est devenu une jolie femme. Avec la queue comme le poisson. En tout cas, ça, c'est ce que j'avais vu. Je ne sais pas si les mamies ont la queue. Je ne sais pas. Avec les queues comme le poisson. Alors, elle me suivait. J'ai commencé à reculer. Elle me dit, tu veux me chasser de là? Alobi nangai. Olingio benganangai na mayo. Moi je vis dans l'eau. Gana bika kanena mayo. Tu me dis que j'aille dans les lieux arides. Yo zone balanke ne bisika bika uka. Je vais aller comment? Nako kene mbegedi. C'est ce jour là que j'ai appris à prier. Mokolo wanande na ye kola ki kobondela. J'ai compris que na soso na ki chaque démon a un endroit. Olimo mabendi on soza kanesika na ye. Tu vas chasser mami wata pour aller. Yo mami wata kotinda ye na bilika okedosani. Comment ça? C'est qu'il y a l'esprit de l'eau. Ya za molimo ya mayi. Bon, je n'étais pas fatigué. Non, les bacs, nous sommes encore rentrés là. Tosongi ni sus. Ah oui, il voulait faire le. Je dis au nom de Jésus. Va dans l'eau profonde là-bas. Kete na mai kuna na mon sijo. Je lève mes mains. Na tomboli loboko na ngai. Na monika ka kiti bana moko. Alors j'étais content. Wana nga na sepeli. Na gagné. Na longi. Il a écouté ma voix. Ayoka ki mongongo nangai. Quand tu as le Saint-Esprit, tu parles au démon. Il t'écoutera. Bakoyoka. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Bonanini molimo santa pesa maki. Vraiment, dit ceci. Ndeko brana malobi boye. Le Saint-Esprit Olimo Santu nous a été donné pour que nous puissions parvenir à la perfection. Nako bonga be. Dites amen à ça. À
à la perfection. La perfection, ce n'est pas votre perfection. N'est pas que pour atteindre la perfection, vous ne connaîtrez même pas un petit quelque chose comme erreur. La perfection, c'est la perfection de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit en vous, ça vous amène à l'adoption. Dieu va vous adopter. Et quand Dieu t'adopte, laissez-moi te dire un secret. Quand quelqu'un est adopté, Dieu ne regarde pas ses erreurs. Attention avec les gens qui sont adoptés. Vous voulez que je vous cite quelqu'un? Baruti Kasongo. Attention. Avec des gens qui sont adoptés. Oui. Tu veux dire, il est fait, il est fait. Ah, Dieu ne regarde plus. Dieu l'a adopté. Peut-être que tu es adopté aussi. Il n'y a pas que lui parce que je ne connais pas. Toi, tu es adopté aussi. Et si ton mari est adopté, faites attention. Si ta femme est adoptée, faites attention. Dieu ne regarde pas ses erreurs. Quelqu'un peut dire amen à ça. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour confirmer la parole de Dieu. La parole que nous prêchons. La parole que nous prêchons ici. Oh, frère, on dit que au paragraphe 73, le Saint-Esprit voudra témoigner de toute parole. Dieu n'est pas menteur. Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Le Saint-Esprit, quand je prêche la parole, c'est lui qui va la confirmer. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Laissez-vous déjà être là-bas. Il va te dire c'est la vérité. Il va guérir les malades. Le Saint-Esprit. Il t'amène à cela. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour nous aider à arrêter avec le péché. Dites amen à Monena. Amen. 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 Lisons les prophètes. Vous aimez les prophètes, hein? Page 64. Je suis en train de lire dans la brochure le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Sois déjà guitare, nos petits. Pour les loups, ils ont chauffé. Écoutez. Yoka. Il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Vous nous voyez? Vous voyez vraiment? Et si vous avez le Saint-Esprit? Pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour dire, bon, voyez, bon, je fais ceci, je commets tel péché. Parce que le Saint-Esprit arrêtera avec ça. Le Saint-Esprit suivra la parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites amen. Il sert à faire de vous des hommes qui détourne la tête, hein, de ces femmes à moitié nues. Dites amen. Loba amen. Vous savez, quand on lit quelque chose qui a trait au péché, même si tu es là-dedans, dis amen. Loba amen. Tu vas voir directement, tu seras délivré. Tu seras délivré. N'aie pas peur. Ton Dieu dit ça parce qu'il t'aime. Il veut que tu arrives à la perfection. Dieu connaît.
La Bible dit qu'il a renfermé tout le monde dans la désobéissance. Pour que le sang de Jésus, pour que la croix nous libère, afin que personne ne puisse se glorifier, que nous puissions dire c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et quand on prêche la parole, soyez heureux, soyez heureux. Quand on tape le péché, dites c'est mon jour de délivrance. C'est terminé. Vous déposez le fardeau. Alors, quittez si mon kumba. Mais sinon, pourquoi nous prêchons la parole? Et sinon, pourquoi nous prêchons? Si nous sommes vraiment parfaits, nous venons faire quoi à l'église? Vous venez faire quoi? Et pourquoi Jésus est mort à la croix? S'il n'avait pas de péché, s'il n'avait pas de œuvres ténèbres, nous sommes heureux. Parce que là où les péchés abondent, là où les péchés abondent, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde. Ngolupe ezali kofuluka koleka. À quoi sert le Saint-Esprit? Essaie de vous faire arrêter de convoiter. Ezali kosunga yo tika kolula. Amen. Amen. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire. Il sert à vous faire arrêter de vouloir être une grosse légume. Majunda. Le fundu ya pamba. Si tu veux être orgueilleux, allez au Kasai. Soro liyoza mudalo lendo. Kene kuna na Kasai. Moi ça m'étonne aussi. Na kute kamu sakanga. Nous les Kasaiens, quand nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes orgueilleux monoko pour faire croire aux gens qu'au Kasaï les choses comme ça. Surtout les Kasaïens quinois. Allez en Bujumbayi. Vous trouverez des gens qui sont humbles. Les gens là que vous voyez là qui font, vous les trouverez même pas là-bas. Allez-y, moi je viens de là. Vous les trouverez pas. Mais pourquoi les Kinois sont comme ça? Ils sont comme ça pourquoi? Quand le Saint-Esprit vient, vous ne serez plus Moulouba. Vous ne serez plus Mongala. Vous ne serez plus Mouswahili. Vous ne serez plus Mokongo. Vous serez un citoyen du ciel. Tu seras humble. Calme. Toi, tu es chrétien. Voilà le lendo. On est ça. T'as bien gagné. Majunda, trop. Le fundu, enzombo. Quelqu'un veut te saluer. Surtout si tu as un gros ventre. Bah, ta ventre, mais qui va m'en passer? Oui, frère. Un problème? Le frère vient joyeusement te dire que Dieu te bénisse. Oui, frère. Tu pries à Saint. Oh, yo, ça me regarde à Saint. Depuis quand? Mais qu'est-ce que tu es venu faire? C'est quoi? Ego ça nini? Venez me voir. Kota langai. Tu veux rendez-vous avec moi? Oh, zaki nanga rendez-vous? Avec ma femme? Na mo si langai. Bon, je connais pas. Na habité. Je connais pas parce que en principe, je ne reçois pas tout le monde dans l'église. On reste à l'église. Oh, église, c'est l'église. Pas l'église ici. Ah ouais, c'est l'église ici. Soyez humble. Salamoto na komi kiti ça. Saint-Esprit est humble. On lit mon centre que comme ils ont monté comme ici. Même si tu as des voitures. Attends aux anabis tout cas. Des jeeps. Même si tu as les diamants. Attends aux anabis diamants. Les frères, il vient monter dans cette voiture. De quoi les gars maintenant en tout cas. Frère, tu vas où? Ok. Tu vas où? Ok. C'est pas possible. Mais ça les matins, mais comment? C'est comme mon village, frère. Mais nous voyons dans l'église, on va transporter. C'est comme mon village. Oh, bon catholique. Est-ce que ça se fait, je me mets? Mais ça les macas.
Soyez humble. Mikitisa. C'est pourquoi. Talatina. Notre village, c'est le message du temps de la fin. Bokanabisonde sango ya tango na suka. Déjà que le Saint-Esprit. Bato baza molimo sat. Non pas l'esprit de coutume. Baza molimo bokokote. Vous allez entendre quelqu'un. Okoyoka moto. Il a son frère. Azana ndeko na ye. Il sait bien qu'il ne sait pas parler chiluba. Ayebi malamu te. Ayebi olo bape chiluba te. Il vient chez eux, il commence à parler chiluba. Ayeba na bango ya ba dikaka monoko mboka. Où il parle tétère là. Où il parle kiyaka. Toi le baka kiyaka. Mais comment ça, qu'est-ce que tu veux? Oligui. La personne ici ne connaît pas les kiyaka. Tu yebi c'est quoi ça, frère? C'est quoi ça? Mettez la personne à l'aise. Il a mal fait de pouvoir venir. C'est parce qu'on lui a enseigné qu'il faut aimer les autres. Ne parlez pas une langue. Quand vous savez que la personne est comme ça. Non. Ne parlez pas. Parmi les enfants de Dieu, il n'y a pas de secret. Votre secret, c'est dans la chambre. Dites des choses que tout le monde connaît. Vous savez, frère Branham, c'était un vrai prophète. Si vous ne voulez pas dire quelque chose, autant vous taire. Taisez-vous tout simplement. C'est dans le respect. Il dit autant vous taire que les gens. Non. Nous devons nous dépouiller de ces vieilles habitudes. Le message n'a pas changé. C'est l'évangile à l'enseignement. Si hier, yeah, le message avait fait de nous, nous les Baluba, les Bakongo, les Baswahili, les Bangwai, le message a fait de nous une famille. Aujourd'hui, ça produira les mêmes effets. Parce que ça n'a pas changé. Nous avons seulement dit, ah, hier, yeah, on était bien. Parce que le message a changé. Non, ça n'a pas changé. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il ajoute encore. Pour vous arrêter à vouloir être une grosse légume. L'olendo. Dieu ne va pas utiliser les orgueilleux. Quelqu'un vous salue. On salue comme ça. Voilà. La salutation. Bonjour. Mbote signifie que vous souhaitez un bonjour. Eli koloba oza ko tombe la moto mokolo elamu. Soko simbi na songa misaba. Soko simbi na songa. Mais tu ne décourages. On dit embrassez-vous. Balbi yambande ko nayo. Lo fundo. Lo lendo. Bokolo yaliwa okozala se yo moko. Ce qui peut qu'on s'ambisama, au cause à la seyo moko. Yébane yon de kotina yali loba oyoye. L'olendo angwani. Yanini. Ozomone pamba lobi lobi nso inzamba pambo liye. Yayope kuko osila. Chaque personne a son tour. Oto na moto sa la kanangonga na yeo. Tour à tour. Ah. Tango yayo kosila okomaka. C'est bon, bah tu vas comprendre. Tu vois, moi les gens ne me comprenaient pas. Moi, j'avais beaucoup aimé les gens, mais un dengue pasteur alubaki, un dengue bah saucé bah yaka. Bon, y'a quoi dans la quinte? Bon, j'ai essayé d'être seulement prudent, mais j'aimais beaucoup les gens. Vous avez prudent, t'es toi d'accord? Toi et bio le lendo. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour t'amener à être humble. Pour t'amener à être humble. Amen. 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 Elokuana. Elokuana. Eloko ma paix. Lolende loko ma paix.
et bébé ça m'a balé à banabasi l'olende et l'okomabé et la tisa batou misala l'olende et l'okomabé et zangi ça batou mabala et zangi ça mabala l'olende l'olende et zangi ça batou ma bénédiction. Qu'est-ce que tu crois? Kosala, il sait, à Salaka, a produit une vie sainte. A pote à pomme, il manque à bon santou. Il vous fera arrêter vos commérages. A côté qui saillot, puis loba, loba. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. A côté qui saillot, coca, cotambo, la loco, l'ozo, salafigao. Il vous fera cesser d'être infidèle à votre femme. A cosala, te otika, coco, sakamo, sina. Voilà ce qu'il fera. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. Voilà ce qu'il fera. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. Il vous fera affectionner les choses d'en haut. Il vous fera affectionner l'adoration. Il vous fera affectionner les enfants de Dieu. Il vous fera affectionner l'église du Dieu vivant. Il fera affectionner votre pasteur. Il fera affectionner vos diacres. Il fera affectionner vos administrateurs. Il fera affectionner tous les saints de l'église. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il est venu pour ôter ses vieilles habitudes et ces choses que vous faites, les vieilles habitudes de coutumes, de coutumes. Je ne vous dis pas d'abandonner vos familles. Mais il faut qu'il y ait une différence. C'est toi maintenant qui deviens le chef de famille. Dans ce sens que ils doivent suivre ce que toi tu dis. Parce que tu as la parole. Mon frère, mon grand frère est là. Grand frère supporté. Un jour il m'a dit, tu sais, moi je suis le grand frère, hein, le chef de famille. J'ai dit, oh, tu es en train de délirer. Mais c'est moi, je suis devenu ton grand frère. Est-ce que tu peux conduire un pasteur? Tu vas me conduire comment? C'est impossible. Et c'est là, ça va être troublé. Mais comme c'est un fils de Dieu, il est venu me demander pardon. Il a déjà compris maintenant. Il a dit à sa femme, à ses enfants, à partir de maintenant, moi je suis l'aîné, mais c'est lui qui est notre conducteur. Est-ce que c'est la vérité, grand-père? Lève-toi. Est-ce que c'est la vérité? Comment on peut conduire quelqu'un qui a la parole de Dieu? Ne sois pas orgueilleux, mais aide ta famille à voir la lumière. Quand il y a un problème, attends que pas j'ai une solution. Quelle est votre solution? La personne se meurt comme ça. La solution. Nous allons prier. Notre Dieu est capable de faire quelque chose. Il y en a qui vont s'allier à vous. Et quand Dieu, ton Dieu, fera des miracles, hein, tout le monde va acclamer ton Dieu. Est-ce que c'était la vérité? Toi, tu es le message. Toi, tu es le message. Tata moi, c'est à l'objet.
Vous n'aurez aucun résultat. Parce que tu as fait un compromis. Tu devais leur montrer la lumière. Comment tu as suivi ces gens-là? Pour aller au Talisa, tu talisa quoi? Talisa quoi? Dites-leur allons dans notre église. On va talisser dans notre église. Parce qu'il y a des vases là-bas. Ils nous diront ce qui ne marche pas dans la famille. Oh, 40 jours. Pasteur, il y en a qui vont appeler ça. Pasteur, vous pouvez faire 40 jours. 40 jours, na koyate. 40 jours. Laissez les morts enterrer les morts. Dika bakufi bakunda bakufi na bango. Si toi beaucoup d'argent, donner le don, le don. Soki osana misole bele pesa kabela bat. Trouvez un prétexte. Moussou. Excusez-moi. Je ne serai pas ces jours-là. Je serai dans la prière. Souffrant. Je serai en prière. Mon grand frère est là. Nous avons perdu une de nos soeurs aînées. Selon la coutume, on fait une tradition là. Et il y a notre papa Kouloutou. Papa Kouloutou Nabisso, il est déjà décédé. C'est lui le chef de famille. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait parler. Il asperge la boisson. Il prend les potes de la boisson. Il met un signe ici. Selon lui, pour nous protéger. Demande à mon frère qui est là. Il est là. Moi j'étais là. Toute la famille était là. Gauthier, viens, on va commencer la cérémonie. Je leur dis, je ne viens pas. Grand frère, c'est ce jour-là que j'avais dit ça, non. Je ne viens pas. Notre papa Kouloutou était là. Papa Kouloutou était là. Tout le monde était là. Je ne viens pas. Mais toi, tu es comme ça, comment? Je dis, je ne viens pas. Il n'était pas loin de moi, à quelques mètres. Il fallait faire ça dans la porte le pont. Je dis, je ne viens pas. Faites votre cérémonie. Et terminé. Et mon cousin, il a essayé de dribbler notre papa Kouloutou. Bon, Gauthier, avec ses histoires de prier. Bon, ça va. Moi, je vais traiter avec lui. Bon, gai na kosola na yesima. Un chrétien, mon Christ, qui est le Saint-Esprit, doit montrer sa position. Qui t'amène ma casse. En famille, Malibota. Montrez votre position. Là où vous travaillez, montrez votre position. Pas dans l'orgueil. Mais là où c'est le diable, ne mettez pas les pieds là-bas. Excusez-moi. Avec tout le respect, je ne fais pas ces choses. C'est tout. Dieu prendra soin de toi. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour vous séparer des médisances. Médisances. Le Saint-Esprit. Pourquoi a-t-il été donné? Pour vous ôter ces espèces de mauvaises choses. Le Saint-Esprit est venu pour vous ôter la raideur. La raideur. Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit à toi ne dit jamais amen à la parole. Il ne danse jamais. Il ne se réjouit jamais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit en toi. Bon, tu as la parole par un amen. Le Saint-Esprit en toi. Tu auras toujours la joie. Le Saint-Esprit en toi. Tu amèneras à danser un esprit. Le Saint-Esprit en toi. Tu commenceras à prier. Prier. Jusqu'à ce que tu t'oublies. Cet esprit, mon libosat, oh j'ai fait 30 ans.
Bongo passé côté à Salambula quoi. Il est passé votre passé, il a fait combien? Tu vois mon kengeli na Salambula boni. Il a fait combien d'années? À Salambula boni. Calculé depuis 84, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Plus de 35 ans, je vois. Prière à Pamba ou Kouga ou Salaté, Yompaka, ce balobi prière. Au Kauki, Bandiga, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis content. Vous savez pourquoi je suis content? Le Saint-Esprit est content. Molimo Santa Sepeli. Vous n'allez pas croire ce que j'ai vu. Bogondi Mateo na moni. Quand je parlais ici. Tango na zai koloba. Na moni kaka. Colomba salut. Dieu est ici. Zambe azali awa. Écoutez. Yoka. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour vous permettre de danser comme des petits béliers. Des petits béliers. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Yo. 30 ans. 30 ans. Vous la toukoumi sa tonasa. Sokomoni bati bazobina. Ozota la bango na miso. 30 ans. Toukoumi sa to. Bandela baptême na yao. Reprends ton baptême ici. Bandela koloka solite. Ah. Ma fausse doctrine elle qui tellement. Écoute yo ba paquet ma fausse doctrine. Moi yo zo chalet rezate. Koko se bisote ma citation lolo. Citation zelone. Citation de Zélo. Moi qui vous parle ici, j'étais bourré de citations. Je faisais des débats avec le pasteur Yves. Parfois, on a raté. Je suis sur le débat de message. Débat de la société. Moi, je faisais des débats avec des grands hommes de Dieu. Pascal, vous avez dit ici. J'allais faire des débats même avec le pasteur Kaloum quand il habitait ici. Yo, ça c'est un débat là-bas, tout le message. Yo, ça là, on a battu Bayebi. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Bon, Anini, Molimo Santo, Apesa Maki. Le Saint-Esprit Molimo Santo a été donné. Apesa Maki. Pour amener l'onction sur les prédicateurs. On a commémé pas qu'on a mis qu'on a monté. Le Saint-Esprit. Olimo Santo. A été donné. A peu ça m'a pour amener l'onction sur l'église. Commémé pas qu'on a mis qu'on a l'église. Pourquoi le Saint-Esprit est-il été donné? On a mis Olimo Santo a peu ça m'a qui. Aïe. Papa. N'a ça les cinq, ouais. Quand on a mis l'onction, je sois déjà guitare. Aïe. Où ça? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Voulez savoir? Oui, Bango. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Yoka. Pour donner la puissance, pour vous donner la puissance contre les esprits impurs. Esprit impur. Pour vous donner la puissance contre les esprits impurs. Impur. Oh là là. Il dit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est pour vous donner la puissance contre les esprits impurs. Paragraphe 55. Pas 51. Lucas a tourné le Saint-Esprit a été donné. Molimo Santo pesa maki. Pour vous donner la puissance. Bona kopesa binonguya. Contre les esprits impurs. Otele mena milimo ya mbindo. Au nom de Jésus. Na kombo na démon sort. Molimo mbe biba. Et les démons sortiront. Molimo mbe akobima. Ici. Na kangi wana. Etkala ya suka. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Bona nini Molimo Santo pesa maki. Yoka. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Bona nini Molimo Santo pesa maki. Vous voulez savoir? Hein? Oui, Bango.
pour vous amener à être associé avec le monde invisible. Vous êtes ici. Vous êtes aussi dans le monde invisible. Pas en enfer. Mais vous êtes encore la 6e dimension. Vous êtes dans la 4e dimension. Vous devenez un être double. On est capable hein, de vous voir ici et de vous voir en ville. Oui. Oui. Ça s'est passé au temps de Frère Branham. C'est pas les magiciens qui peuvent faire ça. Ah, Dieu est capable. Dieu est capable de te rendre un être double. Est-ce que vous voulez lire ça? Nous lisons ça et nous terminons. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Dans Apocalypse, livre des symboles. Paragraphe 55. Oh, les êtres angéliques s'associent à vous. Quand vous recevez le Saint-Esprit, j'espère que vous le saisissez. Regardez. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible. Il n'est pas étonnant que les gens ne croient pas à ces choses parce qu'ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt vous devenez un être double. Amen. L'un sur la terre, l'autre est au ciel. Amen. Dans son corps, dans ses corps, dans la mort. Mais dans votre âme, vous êtes passé de la mort à la vie. Il dit les gens ne comprendront pas parce qu'ils ne peuvent pas croire. Ce soir, vous êtes un être double. Dans la chair, vous pouvez mourir. Vous êtes à votre âme. Vous ne mourrez plus jamais. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Parce que l'église ne peut jamais prospérer sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vous a été donné. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a la joie du salut. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il dit amen à la parole. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a la joie. Qu'il ne mange pas. Il est rempli de joie. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a l'amour dans son cœur. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a la force. Il a la puissance. La colère est partie. Il a la douceur. Il a la joie. Il a la patience. Il a la tempérance. Le Saint-Esprit en vous. Ce soir, pas t'aimer. Lève-toi ce soir. Prie un peu. Prie un peu. Prie à Dieu. Je fais cela. Je fais cela. Je fais cela. Je fais le Saint-Esprit. Je fais le Saint-Esprit.